maintenant. Vous avez lu le premier, ouais? Ah oui, c'est vrai que ça. Voilà, bonne lecture. Merci. Bonjour. Ton nom? Monsieur Douglas Rochon? Docteur Douglas Rochon, oui. Sophie Cousin, je travaille présentement avec la police dans une enquête sur une mort suspecte survenue hier soir à la Galerie Côté. Une mort suspecte, mais en quoi ça m'implique? Je suis arrivé ce matin en avion. J'ai besoin de vos connaissances littéraires. La victime, Jacques Saucier, a écrit quelque chose avant de mourir. Mais je ne comprends pas, j'arrive pas à le décoder. Jacques Saucier. Non, je connais pas. Vous êtes le seul à pouvoir décrypter ce qu'il a écrit quelques secondes avant sa mort. Ah ouais? Et vous en êtes certaine? C'est lui-même qui me l'a demandé. À qui a-t-il envoyé ce SMS? À sa petite fille. Je dois la rencontrer. Vous venez de le faire. Bon voilà, c'est ici qu'on a retrouvé le corps de mon grand-père. Sur le sol. Il doit bien avoir un indice. Quelque chose. La police a fouillé, ils n'ont rien trouvé. Hé, mais attendez. Il y a quelque chose en dessous. Un bout de papier. C'est l'écriture de mon grand-père. Vous trouverez la réponse en solitude près de l'humidité. En solitude près de l'humidité. Solitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Seul au marais. Pardon? Seul au marais. Gilles Côté a peint seul au marais. Il revenait de la guerre du Vietnam, il était viré fou, il a peint. Seul au marais, ça doit être ici. Viens. Ah, il y a là. Seul au marais, il doit avoir un indice. Une inscription, oh, regardez. Quelque chose. Je regarde. Non, ici. Il y a une note. Veillade antirationnelle menacerait de dépecer série de 3, 20-08. Veillade antirationnelle menacerait de dépecer série de 3, mais ça veut rien dire. C'est que... Attendez! Boulanger avec vos yeux. Boulanger avec vos yeux. Comme c'est étrange. Boulanger avec vos yeux. Pain de vue. Pain de vue? Pain de vue. Gilles Côté a peint pain de vue. Là-bas. Il est là. Pain de vue. Voilà. Alors, responsable... confiera Émir Rock. Corps en mouvement, forme boucle. Corps en mouvement, forme boucle. Quelque chose qui tourne. La danse en rond. La danse en rond. Ici. Quelque chose. Ici. La vérité... à l'endroit à percer au quai. La vérité à l'endroit à percer au quai. À l'endroit à percer. Ben, le rocher percé. Le rocher percé! Allons-y! On y va! Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a même pas d'indice ici. Mais pourquoi votre grand-père voudrait-il qu'on vienne ici, hein? Je ne comprends pas. D'ailleurs, je ne comprenais jamais rien avec lui. Quand j'étais petite, il me parlait toujours avec des métaphores, des paraphrases dont je ne saisissais jamais le sens. Mis à part le boulot de gardien de musée ou de galerie d'art, votre grand-père, il faisait quoi dans la vie?
La littérature le passionnait. Il se spécialisait aussi dans le 7e art. Les films d'auteur surtout. C'est d'ailleurs lui qui m'a fait découvrir le cinéma japonais et les National Lampoons. Est-ce que quelquefois, il vous parlait en anagramme? Oui, quelquefois. Surtout lorsqu'il voulait m'annoncer une grande nouvelle. Bien sûr! La vérité à l'endroit à percer, ok. La vérité à l'endroit à percer, ok. 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 La vérité à l'endroit à percer, ok. 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 Okay. François Cormier. Vieillade antirationnelle menacerait de TPC série de 3, 20-08. Wow! Quel bel anagramme! Regardez, votre grand-père est un génie. Festival international d'art et de cinéma de Percé, 3e Perséide, le 20 août. Votre grand-père tenait absolument ce que vous y soyez. Vous devez réaliser un court-métrage. Ah oui? Mais qu'est-ce que je fais? Allez-y. Ah d'accord. Vous êtes quand même Douglas Rochon. Ouais, ça c'est vrai. Je suis quand même Douglas Rochon. Je suis Douglas Rochon.